Ici Mutsu, comment tu vas? Moi ça va plutôt bien, on se retrouve pour partir à la suite de l'aventure sur Scum. Alors, bon, franchement, bon feeling avec le jeu, tout simplement parce que ça me rappelle les débuts sur DayZ Mod, Warz un peu moins, parce que Warz c'est arrivé après, c'est très arcade, bon, c'était pas Warz, bref. Vous connaissez l'histoire, mais sachez pour ceux qui sont les plus nouveaux sur la chaîne ou ceux qui ne connaissent pas la chaîne que c'est sur DayZ qu'on a débuté les vidéos. Donc du coup ça fait bizarre parce que j'ai ressenti en jouant à Scum un petit peu le même genre de feeling que j'ai pu avoir en jouant à DayZ Mod au tout début, donc quand c'était encore un mod sur Arma 2. Et donc bah, je suis quand même agréablement surpris parce que, autant sur la première session de jeu qu'on a faite avec Koolba, c'était pendant l'alpha, donc c'était ouvert mais qu'à un certain nombre de personnes, il n'y avait pas énormément de gens, donc on n'a pas croisé grand monde, voire même pratiquement personne. Autant là, la vidéo que vous allez voir, elle est sur la version pré-alpha, quoi, la version qui est sortie sur Steam et dispo en achat pour tout le monde. Et donc du coup, déjà il y a énormément de serveurs sur le jeu, c'est monstrueux. Donc pour faire votre choix et pour vous retrouver, d'ailleurs ça c'est un point noir, bon je vais pas m'étaler trop dans l'intro, mais un point noir c'est que pour vous retrouver avec un pote le même serveur, peut-être que ça a changé maintenant, mais c'est assez galère, on peut pas rejoindre par Steam, et vas-y pour chercher, il n'y a pas de recherche dans la liste des serveurs. Donc vas-y pour trouver ton pote le même serveur que lui. Bref, bon. Et donc du coup, ce feeling de DayZ à l'époque, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, il y a l'effet de lancement aussi, hein, bien sûr, mais on a croisé pas mal de monde, et surtout là, la vidéo que vous allez voir, ça va être dans une zone avec pas mal de bons loot, protégée par des gros robots. Et je vais pas vous raconter ce qui va se passer pour pas vous spoiler la vidéo. Franchement, c'était épique. On était mort de rire. C'est vraiment génial ce qui s'est passé. C'était bien drôle. Et donc du coup, je voulais vous partager ça. Et puis vous dire aussi que je vais finir avec ça. Il y a un bon feeling sur ce jeu, un bon stress qui vous prend aux tripes. Vous savez quand vous savez qu'il va y avoir du PVP et que bah, il va y avoir de la baston quoi. Il y a un bon feeling, ça vous prend vraiment aux tripes. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas que du combat à l'arme à feu. Par rapport à DayZ, du coup, c'est DayZ si je dois comparer. Il y a aussi ce côté combat à l'arme blanche. Enfin, bref, bon, je vais pas vous en dire plus. Et je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Merci à tous de la regarder. Et puis, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos impressions. Allez, c'est parti. Et merci, avant que j'oublie. AG Portal qui nous a donc permis, hein, je vous l'ai dit dans la première vidéo déjà, de pouvoir tester le jeu. Donc merci à eux. Si jamais vous voulez plus d'infos sur AG Portal, ils vous louent des serveurs pour Scum, c'est dans la description de la vidéo. C'est pas un lien sponsorisé, hein, Mais ça me non, fait c'est rien moi qui ai gagner, droit là-dedans. mais je voulais juste vous le dire parce que bah, ils ont été très sympas avec nous. Donc S'il n'y a pas quelqu'un c'est un d'attentat échange avec de nous. bons procédés. Allez, Parce que... à tout de suite. Faire Il arrive, quoi? là il arrive vers nous, il faut pas se montrer là. Fais un petit coucou. Coucou. Allez. Chut, putain, il est juste là, tu le vois ou pas? Ouais, je le vois. Oh la vache. Il y en a un autre qui vient de l'autre côté. Là, on fait gauche-gauche, ok? Vas-y, vas-y, c'est safe. Vite, 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 vite. Ok, nickel. On peut rentrer là-dedans déjà. Il y avait la fenêtre là éventuellement pour rentrer, mais oh putain, c'est ouvert. Je dis, il y a quelqu'un d'autre ici. J'en suis quasiment sûr. Alors, du coup, par précaution, j'ai sorti le marteau. On devrait peut-être prendre le fauteuil roulant et je me dis qu'ils tireront peut-être pas sur quelqu'un qui considère comme étant en fauteuil roulant, tu vois, ça se fait pas quand même. Bah, un minimum de respect quoi. Ah, il est là. Par contre, ouais, à travers les fenêtres, ils peuvent nous voir. Hein.
mais je te dis, on est clairement pas seul ici. C'est ça qui est bon. Alors peut-être qu'il y avait quelqu'un et qu'il est, il est parti il y a pas très longtemps. Ou alors peut-être qu'il est toujours là et on ouvre la porte. Il revient vers nous là. J'ai peur. Bon, ça va le faire. T'as des balles? Ouais, pas beaucoup. Par la diff quoi. Fais gaffe, il arrive. Non, pourquoi il dit target engage? Pourquoi il dit ça? Je sais pas. Tu peux lui demander. Eh, pourquoi tu dis ça? Eh, à qui tu parles? Oh le ouf, il est où? Il est où là? On peut traverser, on peut traverser, ouais, on peut traverser. Il vient vers nous. Demi-tour, demi-tour. On rentre, on se planque. Ouais, là il faut se planquer, là il faut se planquer. Là. Rentre. T'es où? Derrière. Bon, il est parti. Attends, il a disparu. Ah, il fait le tour en fait. Au prochain tour, on peut passer. Mais du coup, lui il revient là. Ouais, lui il revient. Ok, bon bah, hop. Merci. Non, non. Voilà, merci, au revoir. Pas du tout stressant le truc quoi. En fait, il y en a 3. Je me demande même si on n'a pas un 4ème. L'autre il revient. Et normalement, l'autre il va partir par là-bas. Voilà, là on peut avancer, je pense. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'est arrêté? Non, c'est bon, c'est bon. La vache, mais pourquoi on fait ça? On va ou pas? Il y en a un sur notre gauche. Mais lui, théoriquement, il devrait pas nous voir. Le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à ramasser ici, quoi. Ouais, ils sont là, c'est qu'il y a raison, quoi. Oui, ouais. Ça fait peur, ça colle tous les sens. Mais toutes les portes sont ouvertes. J'ai dit, il y a quelqu'un ici. Je sais pas où il est, mais il y a quelqu'un. On va le trouver, on va le buter. Attends, il va où l'autre là? Oh. Merde. Merde, il m'a vu. Ah. Est-ce qu'il vient vers nous ou pas? Je sais pas. Oui. Il faut courir, Koulba. Faut courir vite. Ah, au secours, cache-toi. Je me cache, je vais faire la porte. Ah, au secours. Cours, planque-toi. Il passe pas. Ah, au secours, putain. Vas-y, rentre. C'est où? Ouais, t'as lâché. Ah bah j'espère, oui. Oh la vache! Il est là, hein, fais gaffe. Faut qu'il repart. Il est là où? Je sais pas, il est partout, j'en sais rien. Vas-y, je me planque. Non, mais le mec a rien laissé quoi. Les portes étaient ouvertes. Oh putain, y'a un robot volant, fais gaffe. Y'a quoi? Un robot qui vole. Ah. Encore ça va, il m'inquiète pas plus que ça quoi. Et tu vois où est-ce qu'ils sont ou pas? Je peux avancer? Je vois pas celui qui, quand tu regardes vers moi, serait sur ta droite. Celui qui a priori est sur ta gauche, il devrait pas t'embêter là. Il y a un hangar au bout sur la droite. Ouais, faut retrouver un truc à... avoir un truc à ajouter. Je sais pas où il y a le robot, moi j'y vais hein.
robots partout quoi. Ça s'ouvre ça? Ça s'ouvre. T'as vu, je suis rentré dans un hangar hein. Ouais, vas-y. Il y a un gros hangar aussi. Il faudra peut-être qu'on essaye d'y aller parce qu'ici j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Super. Vers chez nous. Vers chez nous. Je bois un petit soda, moi, tranquille, pépouze. Bois ton soda. Je repars. Clairement pas grand chose là-dedans. T'as vu un autre hangar toi? Bah là où je suis là. Il y a le mirador là, je vais peut-être le tenter. T'es où man? Je suis un peu plus loin. Est-ce que le mirador c'est pas la petite mauvaise idée? Ouais. J'ai peur. Là il y a l'entrée hein. Il y a un gilet pare-balles. Alors là, effectivement, il y a l'entrée du train. J'arrive vers toi. Là, il y a un bâtiment, mais bon, à mon avis, là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Il arrive l'autre. Lequel? Ah, celui du bout. Lui du bout. Ah, ça rentre quoi. Oh non, non. Ah oh, putain, lui il vient sur nous, lui. T'as vu? Non, mais c'est vrai, il vient jusqu'au bout, hein, je sais pas. Oh, mais il vient de dire target engage quand même, hein. Ah, oui, oui, il vient. Bon. Attends, attends. Oh putain. On dans le bâtiment. Ferme la porte, Billy. Oh putain. On est tellement dans la merde quoi. Il y a fait les les fenêtres. Les fenêtres. Ouais. Attends, avance, 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 avance. Je suis resté là. Oh. Il repart de l'autre côté. Normalement là il devrait pas me voir. Oh. Oh putain! Fais gaffe, Ouais, t'as pas vu. Oh putain! Écoute, tu les trouveras pas, on joue au chat. Oui, là, c'est pire que ça, là. Oula! Oh! Ça, c'est pas nous, ça. Entendu comme eux? Ouais. Tu m'as fait peur. Il y a Vixi qui vient d'arriver. Elle m'a fait peur. Elle est sortie du noir. Oh la vache. Le stress ultime quoi. Et moi. Parce qu'on est en train de se faire chasser par des robots en fait. C'est assez terrifiant. T'as vu, il y a un grand bâtiment là. Toi tu marches sur un. Ah j'y vais. Merde, il est au bout. Ah. Pas ces gros trucs là-bas. C'est là, il nous chasse, il nous cherche. Oh la vache. Oh attends, ici c'est là où il y a le stuff, je crois. Une hache, tu veux une hache? Je vais dans la fosse. Bon, il repart. C'est quoi ça? Break oil. Un fluide hydraulique. Ah c'est pour... d'accord, c'est de l'huile, ok. Là, il arrive. Non, non, non. Non, non, reste caché, reste caché, il ouvrira pas la porte. Bon, il m'a vu.
cacher. En plus, il y a sa putain de lumière qui passe à travers les murs, c'est affreux. Par contre, j'ai soif, c'est affreux. La soif ? Bah alors. Arrive, oh putain, y'a un mec ! Vas-y, bute-le, bute-le. Il sort son fusil ! Aïe ! J'ai mis un coup de marteau ! Un deuxième ! Il est par terre ! Oh, bien joué ! Oh putain ! Il se relève ! Il se relève, Koulba ! J'ai mis une balle. Oh putain, pourquoi il court pas, mon perso? Il sort. Bim! Aïe, c'était moi ça. Oui, j'ai remarqué. Mais il est mortel lui. Bon? Non, il est en bas, il est avec toi. Aïe, il m'a fait mal. Il est mortel. T'as plus de balles? Oh non. Bim, c'est bon, je l'ai eu. Il est mort. M'en fous, j'en reviens. Oh putain. Oh putain! Oh! Métabolisme! Non, robot, c'est pas le moment! C'est pas le moment, robot! Oh, oh le stress ultime! Oh la vache! Oh, il avait un MP5 et tout, le salaud! Ouais, j'ai vu! Oh, je prends. T'en as un, toi? Moi, non, j'ai pas. J'ai une arme, mais j'ai pas de balle! Oui, non, mais je parle de sac à dos! Ah non, j'ai pas de sac à dos sur ce perso là. Là, t'as vu, il a un short pantalon. Oh le stress ultime là. La vache. Oh. Tu prends l'arme du coup? Oui. Ok, c'est bon. Bon. Je suis debout. Alors, patch wounds. Physical injury phase 2. Starvation phase 4, bon ça à la limite. Putit, ok parfait. Alors ensuite, le stuff. Récupère son MP. Ok c'est bon. Par contre, est-ce qu'il y a des balles dedans? Il y a un couteau aussi. Il y a pas de balles. Tu veux des balles? Prends le couteau. Des balles de 9 mm, tu en as? Ah non, j'ai du 22. 22. Du charcoal, dragon of jean. Un jean, attends, je vais prendre son jean. Ok. Le couteau, tiens un truc comme ça, toi? Tu veux le prendre? Le quoi? Le couteau. Non, vas-y, prends-le. Ah, y'a un soda. T'as soif? Vas-y, prends. Bon, j'ai bu un peu. Non, c'est bon. Vas-y, bois, hein, moi je suis bien. Oui, il a une bouteille aussi, je l'ai bu. Ouais, mais je suis à 100%. Bon, je la prends. Ah, bah attends, Bah tiens, alors, prends-la. Je viens de la. Pardon, je viens de la ramasser. Bon, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que. Le MP5, là, je peux. Pas vraiment m'en servir, quoi. Parce que dès que je vais switch, tu sais, il va tomber par terre. Ah. Attends. Switch pas. Comment? Switch pas. Ah non, attends, quoique si je fais ça, il doit échanger. Oui, il échange. Donc je peux garder mon marteau en main, ok. Bon, on ressorte. Ouais, il va falloir, ouais. Il va falloir, effectivement. Ouais, donc ça, le charcoal, c'est pour se soigner un éventuel souci de type intoxication alimentaire. Non, t'es comme ça, toi. Moi, je suis pas bien. Hein. Je prends un coup, je meurs. Je suis à 24%, je sais pas toi. Ils sont deux à venir dans le coin. Oula. Ça tire, il demande. Oh là là. Est-ce que ça va venir? Tu disais que t'avais des balles de 9 mm toi? Non, j'en ai plus. D'accord. Pourquoi c'est bugué?
Mon tab est bugué, je vois pas mes armes. Encore une arme par terre. Hein. Ah ouais? Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, tu l'entends? Tu l'as entendu? Il est rentré dans un bâtiment. T'entends, t'entends, ça ouvre, ça ferme les portes. Ouais, j'entends. Ah oui, y'a le pistolet. Ah mais le pistolet, je peux pas le prendre, hein. J'ai vraiment plus de place. Hein. On peut éventuellement l'attendre ici, le mec. Hein. Okay. Il va peut-être venir. T'as des balles, toi, ou pas? Une balle. Ah. Il est juste là. Il est derrière, il arrive, il arrive. Ah ouais, il arrive. Je me demande s'ils sont pas deux. Oh putain, il va rentrer. Raté. Raté. Il est dans le trou. Bim, il s'est pris un coup de marteau. Raté. Non, sort pas, sort pas, ça arrive, ça arrive. Putain. Il est sur lui du coup. Oh putain. Ah, la maison de l'angoisse, quoi. Bon, il s'est pris un petit coup de marteau quand même. Ouais, hein. Il s'est pris une balle aussi, donc. Il est mal, le gamin. Il a rien pour se soigner, il est mort. Hein. Vache. Mais combien on est là-dedans, quoi? Ah, il faudrait qu'on arrive à sortir d'ici, en vrai. Hein. Parce que c'est wanted. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, si on veut survivre, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir. Parce que lui, maintenant, là, s'il survit, il va se planquer. Et c'est lui qui a l'avantage, maintenant, tu vois? Parce que du coup, il va nous entendre arriver. Après, il avait pas l'air d'avoir d'arme à feu, sinon je pense qu'il aurait tiré. Et maintenant, clairement, c'est lui qui a l'avantage, quoi. Donc, du coup, je me demande si on ferait pas mieux de sortir tant qu'on le peut, tu vois. Ou alors, on y va jusqu'au bout et advienne ce qu'il pourra. Ok, il marche, là? Ouais, c'est moi. T'es sorti? Non, non. Oui, d'accord, ça glitch. C'est où? Oula. Ah, c'est affreux. La vache, t'as mis un coup de couteau là. Oui. Non mais comment on va sortir de là en plus? Les deux robots ils arrêtent pas de passer autour, quoi. T'inquiète. Moi, j'ai peut-être un plan d'évacuation, hein, mais après il faut voir si on évacue ou pas. Moi je pense qu'il faut évacuer maintenant. Évacuons. Alors si on veut évacuer, il faut qu'on parte tout droit. En longeant sur la gauche, il va y avoir un escalier qui permet de monter sur le muret. Avec le... tu sais, la guérite là dont je te parlais. Tu veux retourner en arrière? Bah ouais, tant qu'à faire. Là on a un créneau pour sortir en tout cas. Parce que comme je te dis, tu veux partir à gauche? Là, ah bah là regarde, direct on peut monter là. Ouais. Ici là, ah, là. Regarde, y'a le robot. Faut se planquer, Sinon là-bas, là, il y a la guérite encore. Oh putain, c'est quoi? Oh mais lui, il nous crame direct, quoi. Mais non, casse-toi! Il y a quelqu'un en face, là. Où ça? Juste en face, au-dessus. Tu vois pas?
Dans la guérite ? Non, là où je regarde. Ah oui. Effectivement. Il a un gros sac. Il nous a pas vu lui ? Non. Sérieux ? Ou alors il a pas d'arme. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, vas-y. Marteau ? Vas-y. Marteau ? Vas-y, pardon. Marteau, hein. Marteau ! Marteau ! Marteau ! On se fait tirer dessus par le robot. Il a un flingue. Oh, il a... Ah, sérieux ? Ouais, il m'a tué. Oh merde ! C'est qui t'a tué ? C'est lui ou c'est... Oh, il est là. C'est le robot. Le robot. On vient. Ah, il a un flingue. Est-ce que je le poursuis dans la nature ? Ouais, je suis un coureur de fond, moi. Sprinter Kenyan, Kuba. Sprinter Kenyan, straf, straf. Marteau, bim. Boum, allez. Ah, je le touche pas, mais je ne le touche pas. Bim, oh, ça y est. Ah, oh, j'ai plus de stamina, je peux pas courir. Ah, oh, j'ai plus de stamina, je peux pas courir, je vois rien. Man, je suis trop loin. Ouais, j'imagine que t'es loin, ouais. Non, mais alors là, pour le retrouver, je te raconte pas le délire. Faut pas être bien loin. Faut pas être bien loin. Ah, laisse tomber, le gars il avait une arme à feu. Est-ce que c'est son cœur que j'entends ? Je crois pas. Quelqu'un ? Ouais. C'est la merde là-dedans. Bon. Je suis désolé mon bon Koulba. Non, on l'a pas mangé l'autre par contre. Ah ouais. Je vais me battre avec un zombie, tiens. De toute façon, mon pote il est mort, on n'a plus rien à foutre.